Un hommage national pour le peintre Pierre Soulages, cérémonie aujourd'hui présidée par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre. Adieu au maître du noir, un compagnon de route depuis plus de 50 ans, écrit le musée sur son compte Twitter. Le programme avec Marie Jiquel. La cérémonie sera ouverte au public dès 13h, puis présidée par Emmanuel Macron à partir de 15h avec la famille du peintre, dont Colette, 101 ans, la femme de Pierre Soulages. Pour terminer cet hommage d'une heure, un air de Bach, l'air sur la corde de sol que le peintre chérissait tant. Le maître du noir sera ensuite inhumé à Paris ce vendredi, un choix établi il y a longtemps par l'artiste. 46 ans que le Louvre n'avait pas déployé un tel dispositif. Pierre Soulages rejoint le groupe restreint des artistes célébrés une dernière fois dans cette cour carrée. Le peintre Georges Braque, l'architecte Le Corbusier et l'écrivain André Malraux. Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1, une cérémonie hommage hein, ouverte au public. Ce sera donc dès 13h dans la cour carrée du Louvre à Paris. Et puis pour les curieux ou ceux qui ont un portefeuille bien garni, notez cet après-midi, première vente aux enchères d'un tableau du peintre depuis sa disparition à 102 ans la semaine dernière.